Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne sur Nier Replicant Remake. J'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment un remake, c'est une version 1.22, ce qui stipule bien qu'on est sur un remaster et non pas un remake. Mais beaucoup de personnes l'appellent remake, d'où le fait que je l'appelle remake, et parce que mettre remake dans le nom, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors, est-ce qu'on peut passer par cet ascenseur ou pas du tout? Et visiblement, celui-là, il est vraiment pas fonctionnel, donc je vais être obligé de repasser à l'intérieur. Donc du coup, on reprend l'aventure. Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Oui, donc je disais... donc là, on doit aller retrouver la petite maman des deux enfants forgerons. Donc ils nous ont donné les codes d'accès des ascenseurs, ou de l'ascenseur, même s'il y en a deux. On va voir ce que ça donne. Et si on peut retrouver leur mère, je suppose que oui. Déjà, on en a un ici. Donc, on va voir. Ah oui, effectivement, premier sous-sol. Alors, c'est assez marrant parce que ça descend alors qu'on voyait clairement une bâtisse qui est également remontée vers le haut. Donc est-ce qu'il y en a un qui monte et un qui descend? Ça c'est une bonne question. Mais bon, ils ont dit que leur mère était dans les profondeurs, donc logiquement c'est celui-là qu'il faut utiliser. Après il y a marqué premier sous-sol, donc visiblement ça va descendre encore un petit peu. Faites voir si on peut voir le haut. Et oui, voilà, donc ça c'est différents étages. On va avoir plusieurs étages. Est-ce qu'il y a des ascenseurs différents ou est-ce qu'on pourra les réutiliser? Je ne sais pas. Attendez, on va attendre qu'il pète. Voilà, c'est bon. Ce qui est bien, c'est qu'on va en profiter pour récupérer des matériaux, donc ça sera plutôt utile s'il faut XP un petit peu après nos armes. Ah, il y en a trois là. Ça va, on les massacre quand même assez rapidement. Donc comme d'habitude, une porte rouge, une porte verte, on va dire. Après, c'est assez semblable quand on y réfléchit, ce genre de donjon. Mince. Bon, il a rien laissé, donc de toute façon, on peut continuer. Ouh là là. Et ouais, forcément. Ah oui, vous êtes nombreux, là. Attendez, 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 on va pas se... Laissez-moi vivre! Ils m'ont pris un sandwich là dans ce coin. Bon, c'est bon. Ah ouais, ils arrivent tous là, ils me prennent pas forcément au meilleur endroit. Hein. Ça, c'était pas forcément très utile. Ok, là c'est rouge de toute façon. Donc là, on va continuer par là. En même temps, c'est pas comme si j'avais le choix, j'ai envie de dire. Les âmes, ouvre-toi. Ah, zone de combat. Oula, qu'est-ce que c'est ça? D'accord, système d'autodéfense, ça a duré 10 secondes, mais au moins c'est fait. Attendez, ça veut dire quoi? J'ai pas compris là. Ah, attendez, il parle de ça, je pense. D'accord, donc en fait, il y avait des bombes. On peut utiliser des bombes, donc c'est un objet de plus à utiliser. Ça peut être effectivement plutôt pratique. Oh, on va pouvoir utiliser un wagon directement. Dans un wagonnet, utilisez R pour changer la direction de vos attaques magiques. Pour augmenter la vitesse du wagonnet en vous plaçant à l'avant et le ralentir en vous plaçant à l'arrière. Ok, donc bah, pour l'instant, on va accélérer. Ah d'accord, si je marche en fait ça accélère, alors ça c'est vraiment étrange.
Lâchez-moi avec vos grosses boules là. Faut faire super gaffe parce que les boules évidemment vont faire des dégâts. Ah mais on peut détruire les canons carrément. Alors ça je m'en serais pas douté, vous voyez. Oula. Ok, il y en a un autre. Oula, il y a une explosion en bas. Ah ouais, carrément, il y a des trucs en bas, je sais pas ce que c'est. Impressionnant. Ah bah oui, d'accord, en fait, c'est quand on les détruise, ils tombent, regardez. Ils tombent et en fait, en touchant le sol, ils explosent. Mais c'est super bien fait. Je sais pas si ça faisait comme ça avant, mais... c'est ultra classe. C'est génialissime. Oula, 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 on se calme, on se calme, on se calme. Niveau supérieur, ça c'est good. Le canon, on va s'en occuper aussi. Lui là, j'en veux pas non plus. Allez, c'est bon. Est-ce qu'on arrive là? Eh oui, on arrive. Bon, ben j'ai survécu, ça va, c'était faisable. Merci pour ce fantastique voyage. Eh, va savoir. On sait pas de quoi sont capables les mères pour leurs enfants. Mince, il y en a un autre là. C'est bon. J'ai survécu, donc là, petite bombe. J'aurais peut-être dû prendre celle qui était moins loin. Ah, ça va, elle réapparaître parce que j'allais dire sinon on est dans la merde. Non ! Ok, mais est-ce que je vais pouvoir la lancer aussi loin ? Ah bah oui, c'est vrai. Ouais, mais comment je vais de l'autre côté? Mais je peux pas aller là-bas. Attendez, faites voir la map. Et ouais, mais il n'y a pas 50 directions. Hein. Je ne comprends pas. Expliquez-moi ce que je dois faire. Alors ma question, et si je fais ça? Ouais. Bonne question, bonne question, bonne question. On va voir ça. Bon. Apparemment, il faut juste faire un double saut, mais au bon moment. Ah ben voilà.
Alors là, c'est le coup de cul, parce que franchement, j'ai cru que j'allais tomber. Bon, ben, je suis plutôt soulagé, en vrai. J'avais combien de chances d'y arriver? Une sur mille? Ça en fait des portes qui s'ouvrent. Ah, ben voilà, un nouvel ascenseur, comme je le pensais. On va pas s'arrêter au niveau moins 1. Ah non, c'est pas un ascenseur. Il y a une sauvegarde déjà. Oh là 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 là. Vous sentez ce que ça sent là? Ça sent pas l'odeur du boss ça. Waouh. Visuellement c'est classe. C'est très très classe. Oh my god! Un boss machine, mais c'est tellement stylé! Ok, donc il va falloir bien voir les patterns. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Oh mon dieu. Lâchez-moi! Qu'est-ce qu'il va faire? Oh purée! Mais comment je suis censé esquiver ça, moi? Oh my god. Ok, t'inquiète, je gère la fougère. Oh merci, reviens. Oh, j'ai chaud. Mais ça me suit en plus. C'est bon, ça disparaît. Je lui ai enlevé un peu plus la moitié de la vie, c'est cool. Oh purée. Il va scratcher, c'est obligé. Attention, on est pas loin de la fin là. Enfin, peut-être du premier tiers du combat. Voilà, là on a exposé ses mains. Maintenant il faut exposer le robot. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, d'accord. Bon, merci pour ces objets, mais... Mais what the fuck? Plus aussi, non? Ok, j'étais tout sûr. Et il me balance des missiles dessus. Ok. Ah ouais, d'accord.
pas vraiment ce que j'avais prévu. Bon, apparemment, c'est pas ça qu'il faut faire. J'ai pas compris là. Mais c'est pas possible. Je comprends pas. Mince. Trop tard. Je n'arrive pas à comprendre. En fait, c'est plutôt logique, mais quasiment infaisable. C'est clairement une question de bombe. Ah voilà, ça y est. Saloperie. Ils ont vraiment fait de beaux effets par rapport à avant. Parce que le jeu, clairement, j'ai vu des vidéos de la version originale. Ça a rien à voir, quoi. Allez, descend, descend, descend. Je l'ai explosé. Une fois qu'on comprend, en fait, ça va super vite. Fallait vraiment le prendre au moment où il commence son rayon, quoi. Par contre, ils ont vraiment clairement modernisé le jeu de ouf. Parce que les effets spéciaux, ils sont impressionnants par rapport au niveau original. Bon bah écoutez, on s'en est sorti finalement. Ça fait plaisir, ça fait super plaisir. Ce boss était plutôt impressionnant. Et plutôt kiffant en vrai. C'est vraiment pour moi toute l'essence du jeu quoi. Ah attendez. Et elle, vous croyez ? あやつらの母親である。一人じゃなかったんだ。男か。大きなカバンに綺麗な洋服。どうしてこんなところにこんなものを？子供たちを捨てて若い男と逃げるつもりだったようだな。そんな。奇跡は起こらず。 Pas la vérité, j'imagine. C'est horrible. En plus, pourquoi ils sont morts? Ils ont été tués, vous croyez? Ils vont nous faire sortir automatiquement de la montagne. C'est dommage, je voulais en explorer plus. Moi, j'en ai jamais assez. Mais j'en ai vraiment jamais assez. Ah ben ouais. Maman,
Gomenne. Sonna. Toko sagashita no? Honto ni sagashita no? Hora, sekkaku minasan ga omae no tame ni. Ii n desu. Boku wa itsu made mattara ii no? Okaasan.母さんは、いいんです。教えてください。母さんは、遺体は二つあった。よかった。何？母さんは、もう俺たちのことで以来これで。許せる。俺は母さんの子供だから。この瓶。 Il est fort. Il est fort pour son frère lui aussi. Arigatou gozaimashita. Hontou ni. Magnifique. Il a dit la vérité au final et au moins il aura pas ça sur la conscience quoi. Ok, c'est parti. Bon, du coup, on doit retourner voir. Non, mais vous allez pas me saouler, vous! Bande de fous! On a fini ce qu'on devait faire, c'est-à-dire améliorer notre arme. Onushi, mamono ga kowaku nai no ka? Kowai yo. Et nous voilà arrivés au village. Donc du coup, je me demande ce qu'ils vont me dire de faire maintenant. Est-ce qu'on doit aller voir Yona ou est-ce qu'on doit aller voir Popola? J'ai l'impression qu'on doit aller voir Yona. Bah, il est temps quand même de lui rendre visite, la pauvre, elle est toute seule depuis un bon bout de temps quand même. Pauvre petite. J'espère qu'elle est là. Ah, des objets. Cool. Elle est couchée. Yona. Yona. Daijoubu. Kurata. Yona. Sugu kusuri o motte kuru kara na. Nani? Muri. Shinpai. Oh mon dieu, la pauvre. Faut que tu te dépêches de la soigner. Kokumon byo ga shinkou shite oru you da na. Semete itami dome demo areba. Allez, c'est parti, on retourne voir Popolo-san. Mon dieu, la pauvre, elle doit tellement souffrir. Et là, petit changement de musique. C'est trop stylé ce changement, à chaque fois ça me fait kiffer. Allez, dis-moi tout Popola. Popola-san, itami dome no kusuri o wakete moraemasen ka? Eh? Yona. So nano. Sore dattara
薬魚がいいかもしれないわね。薬魚？海岸の町で獲れる魚なんだけど、強い鎮痛作用があるって聞いたことがあるわ。わかりました。ありがとう。海岸の町は南平原の先にあるんだけれど、最近は魔物が出るって聞くから気を。Ok, donc on part pour une nouvelle quête. Cette fois-ci, c'est pour trouver un médicament pour Yona. Au final, tout tourne autour de Yona. Quand on y réfléchit, vous me direz. Donc, visiblement, on va aller à littoral. Donc, ce serait peut-être une ville également. Il y a moyen que ce soit une ville. Donc, j'ai hâte de voir cette nouvelle. Finalement, je trouve que ce jeu est plutôt bien fait parce que j'arrive à avoir des vidéos d'environ une demi-heure en vous faisant à chaque fois découvrir un nouvel endroit ou un nouveau boss ou avoir quelque chose d'intéressant, quoi. Alors faites voir la map par où on doit aller. Ok, donc en fait on va aller de l'autre côté. Ce serait de l'autre côté de la ville en fait. On va aller juste voir où c'est. Donc vu que ça s'appelle littoral et qu'ils font un objet qui commence par poisson, je pense qu'on va aller dans une ville probablement aquatique, enfin portuaire plutôt, on va le dire comme ça. Donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner et à quoi ça ressemblera, honnêtement. Je suis plutôt curieux de voir ça. Donc, du coup, ce serait par ici. Voilà. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se dirigera vers la plaine méridionale et vers littoral dans le prochain épisode. Les textures sont vachement belles par rapport à avant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je lis aussi tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à en poser un. On se dit à très bientôt pour la suite de l'aventure. Merci d'avoir regardé. Bye bye.